Et coucou tout le monde, c'est Laurent de Fiesta Balloons. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo car je dois préparer une demi-arche pour une cliente ce soir qui fait son anniversaire. Donc la voici. Donc je suis vraiment au tout début de la préparation. Donc c'est une demi-arche avec une base acier, donc plaque rigide avec deux longueurs de tubes rigides. Puis après, je viens dérouler tout un tube flexible, tube souple, sur lequel je vais monter mes ballons latex pour donner forme à une demi-arche organique. Les coloris, donc là j'ai commencé un peu, on va être sur du vert olive. Donc ça c'est le Willow de chez Tuftex, coloris assez sympa, assez tendance. Elle aura voulu aussi du Mocha Brown de chez Qualatex, du chromé gold de chez Qualatex et Calisane, puisque des petits diamètres je n'en ai plus, et après du blush de chez Tuftex. Bien sûr, bon, tout l'attirail nécessaire, hein, le gonfleur, le casque, parce qu'il faut protéger quand même ses oreilles. Quelques ballons transparents en 260, des ballons à sculpter. Quelques élastiques aussi pour finir avec mes petits ballons. Donc voilà, c'est une demi-arche que je vais là maintenant. Et je vais en profiter pour vous montrer une technique d'assemblage des ballons que je vais venir après greffer sur la structure. Alors comment je fais? Alors c'est une technique parmi tant d'autres, hein, parce que j'utilise jamais la même technique, mais là aujourd'hui c'est celle-là que j'utilise. Donc je prends quelques ballons, donc les ballons en 30 cm. Moi le but c'est de faire déjà ma trame commande de ma demi-arche. Donc je vais utiliser des ballons en 30 cm et aussi des gros ballons en 43 voire en 60 cm. Donc je gonfle mes ballons, toujours deux par deux. Donc le but, moi je gonfle toujours un petit et j'en gonfle un à peine un peu plus gros. Donc je les attache deux par deux, ok. Comme ceci, juste un nœud, ça suffit. Je me refais une autre doublette. Hop, j'attache donc les deux avec un seul nœud. Et là, je vais prendre un cinquième ballon que je gonfle pareil comme je le veux. Hop. Et je viens l'attacher sur ma doublette de ballon. Donc là, j'ai ma triplette de ballon. Je prends ensuite ma doublette j'avais gonflé auparavant et je viens l'insérer pour faire un cluster de 5 ballons comme ceci. Voilà. Quand ça c'est fini, hop, je vais vous montrer comment je procède en direct live. Hop, donc je mets ma caméra ici. Je vais hop venir donc sur ma structure. Comme ceci. Je vais vous montrer un peu mieux comment je fais. Voilà. On va peut-être la baisser à peine un peu. Voilà. Donc là, je viens mettre. Donc, ouais, comme ceci. Je viens mettre, visser mon cluster de 5 ballons sur le tube. Et là, je vrille les deux ballons et j'appuie au centre. Ok? Après, je prends un autre booster de 5 ballons. Pareil, même technique. Je viens glisser mon booster. Je vais remonter, peut-être, vous verrez mieux. Je viens glisser mon booster
sur ma ceinture. Et là, pareil, je brille les deux ballons que j'ai face à moi. Et j'écrase. Hop. Voilà. Donc là, plus ou moins, les ballons, ils vont se mettre de manière, voilà, comme ils arrivent. On écrase un peu, sans trop écraser les glosseurs que vous avez au-dessous à chaque fois. Parce que le but, c'est de laisser une belle forme ronde à vos ballons, pas les écraser. Ok. Et ainsi de suite. Donc, je vais monter toute mon arche, ma demi-arche du moins, comme ceci. Là, je vais prendre mon gluster avec mon gros ballon. Pareil, je vais venir l'insérer ici. Hop, et j'appuie. Comme ceci. Pareil, après, je fais les suivants comme ceci. Là, pareil, je brille les deux que j'en face de moi. Et le dernier, hop, je fais pareil. Je viens le positionner comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, petit à petit, je vais monter toute ma demi-arche, comme ceci. Là, je vais travailler par bloc de couleur. Vous voyez, là, j'ai fait à peu près 1,10 m de hauteur qu'avec du willow, le vert olive. Ensuite, là, je vais attaquer le blush sur la partie centrale pour terminer sur le mocha brown à l'extrémité. Quand toute la structure sera terminée, je vais venir greffer mes petits ballons un peu partout sur la structure pour fignouler le tout. Voilà. Donc, que cette petite vidéo avec une technique parmi tant d'autres vous aura été très utile. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye!